putain. Alors du coup, Donc en fait, on aujourd'hui... fait un autre épisode sur Conker, enfin du moins Un pour l'instant. petit multi. Un petit multi, ouais. Lola et moi, C'est marqué en haut. on va s'affronter au Raptor. On fait ça? Moi je suis pour. Vas-y, fais Mais parce star. qu'ils veulent pas que je joue avec eux, donc... Ouais, Attends, alors, attendez. bon. Attendez, monsieur le cabache. Donc moi, je À suis chaque les... fois, toi, tu veux pas jouer. Je suis les Ouga-Bouga. C'est pas vrai. On est 6 et vous êtes 2. C'est tout? Bah parce que les raptors sont hyper violents. Bon, d'accord. Ils sont trop violents. Et donc le but... Attention, ton fil est sur mon... Ah, après, je suis gêné, mais... Alors le but pour les Ouga-Bouga, c'est d'aller récupérer les œufs qui sont dans le nid des raptors et Ouais. d'aller les foutre dans leur énorme poêle à frire. J'ai D'accord. trop peur. Dans leur énorme plug, poêle à frire. Tu vois, regarde, Plug à voilà. frire. Alors que les raptors, à l'inverse, leur but, c'est de ramasser, c'est d'attraper les Ah, Ouga-Bouga et les et manger. d'aller, non, et d'aller les donner à manger à leur bébé qui est dans leur nid. Ok. Allez, on s'en fout. Donc toi, t'es en bas et moi, je Alors, suis en comment haut. ça se Tu joue? sautes avec Alors. A et tu Oh attaques avec B. my god. Non, avec Z. Tu attaques avec On Z. se croirait sur Nintendo 64. Ouais. C'est rigolo. Et là, tu vois. Et en haut, Oh. t'as donc ton radar qui te permet de voir où il y a des ennemis. Toi, t'es en rouge et les ennemis sont J'en en. ai Non, toi, niqué t'es un. en vert et les ennemis sont en rouge. Et ils ont annoncé un jeu, j'ai découvert ça. Il s'appelle Tesla versus. Mais Edison. Tesla Ah versus. putain! Non. Tesla versus Lovecraft. Oh! Voilà. Lol. Ok, et Oups! il se bat genre à coup de Bah, je sais d'invention pas trop. steampunk Juste ou. le nom, il m'a fait rire. Alors là, juste. J'ai regardé. J'ai vu une super série. Ouais? Enfin. C'est quoi? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Altered Carbon. Ah, alors ça vaut quoi? Parce que moi, il y a plein de gens qui ont voulu autour de moi Sam, il a et personne a réussi à me commencé. donner envie. C'est vrai? Sam a commencé à l'extérieur. Je sais pas si c'est. En Ah putain! fait, On est c'est nul. long à se... En fait, c'est ça, c'est que C'est moi, bon à s'installer. Hein. tout le monde m'a dit c'est Ouais. long à se mettre en place, genre 3-4 épisodes. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que le fait que ce soit long, c'est que tu rentres vraiment dans le délire de le pitch, c'est que dans le turfu, quand t'as un an. Ouh, la Oh, merci. pizza, merci. Quand tu as un an, on te met une pile dans la nuque, et en fait, c'est une. J'ai eu peur. Ça tournait mal. Dans la nuque, et Ouais. en fait, en gros, cette pile dans la nuque, c'est une sorte de petite pastille. Oh! C'est là où est stockée ton âme, ton existence et tout ça. Ouais. Donc, en gros, En gros, c'est l'immortalité. On a l'immortalité, dans Ouais. le sens où cette pile est toujours. Ton esprit est sur une clé USB, Voilà, quoi. c'est exactement ça. Et donc du coup, bah, si on détruit cette pile-là, tu n'existes, t'es vraiment mort. Et donc il y a des gens qui vont vivre, on ne sait même plus combien de temps ils vivent, des centaines d'années, parce que bah voilà, ils sont riches, et donc du coup ils peuvent s'acheter de nouvelles enveloppes, qui est donc le corps humain, Ouais. qu'on appelle ça maintenant enveloppe. D'accord. T'es riche, t'as des belles enveloppes, t'es une milf, t'es un beau mec, Non mais. t'as des gros pecs, tout ça, t'es riche. T'es moins riche, et ben tu T'es un meurs peu à dans la 8 merde, oui. ans, et ben on va te filer le corps d'une vieille. Donc tu te retrouves avec des gamins dans le corps de vieille? Ouais, par exemple. Et en Oh fait, c'est ça, c'est nice, que c'est t'as bizarre. 3-4 épisodes où ça se met un peu, ça a le temps de se mettre en place, justement pour après rentrer dans certains délires que bah, j'ai pas trop envie de parler parce que justement, quand tu découvres, tu fais Ah putain, ils ont été là, c'est rigolo, tu vois, c'est sympa. Ils vont assez loin, ils vont vraiment chercher dans le délire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Dans les autres trucs qui sont pas mal de cette série, Ouais. c'est que c'est plutôt bien écrit au niveau du scénario. C'est tiré d'un livre, mais c'est plutôt bien écrit un épisode en lui-même, assez petits twists qui te font rester dans l'épisode, mais Ah, chaque chaque épisode a épisode un a son petit truc, intrigue, ouais, sa mais petite intrigue, ouais. en même temps ça build up un truc sur toute Voilà, la. c'est Ok. ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien Après, ce genre de truc. visuellement, c'est assez classique. Le dernier, enfin genre dans quand ah tu Oh, les Le deux! Bravo, kill! joli. Bravo. Enfin mine de rien, pour l'instant il y a 5 à 14, hein, et 14 pour vous. Ah Ouais, bravo. ouais, ouais. Mais parce que vous, en fait, vous gagnez un point dès que vous tuez l'un Mais d'entre comme il y nous. a beaucoup d'entre vous. C'est ça, et que vous êtes mine de rien vachement résistant. Ouais. C'est le temps qui s'enfuit, qui Et s'enfuit. c'est le temps qui. Oh, joli. Oui. Non, 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 Oui. non, non! Non mais Altered Carbon, pas mal. Franchement, pas mal. D'accord, bah écoute, je tenterai à l'occasion. C'est pas révolutionnaire, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal fait. Et analogie du. Enfin, même pas. Genre, si tu veux parler du Whitewashing, whitewashing, ouais. bah tu parles de ça, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est d'origine japonaise,
et qui du coup change de corps, ouais. Change de corps et il devient un Américain blanc bien gaulé. Mais alors, au début j'étais genre ça me dérange, hein. Je me suis dit mais attends c'est qui ceux qui font, mais après c'est en fait non c'est pas du tout bah, il me semble que le dernier film Ghost in the Shell avait été été accusé de la même chose, mais elle le reprenait un peu le même concept, c'est à dire que justement comme dans Ghost in the Shell t'es un peu genre ta personnalité qui tu es c'est ton ghost, donc ta personnalité, et tu peux changer de corps si t'es un robot, enfin tu vas rentrer dans un robot et donc forcément changer de corps. Et c'est pour ça, tu vois, qu'ils ont expliqué que, bah, au final, comment elle s'appelle, Scarlett Johansson, bah, elle est pas japonaise comme dans le manga. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu tout un débat comme quoi, apparemment, ils voulaient lui faire des yeux bridés en post-prod, et les gens ont dit, non, c'est un peu abusé. Mais j'imagine, mais il mange, mec. Du coup, c'est bizarre. Mange, c'est rien. Bah oui, mange. C'est pas pour toi ? Non, c'est pour toi. D'accord. Moi, je t'ai mangé. Non, c'est pas moi que t'as mangé. Oh. Mais je vous ai volé un œuf et j'ai fait un peu de chemin, mais je vous ai pas tué. Mais comme t'as volé un bœuf. Mais en fait, c'est ça le problème quand il y a deux raptors, c'est que c'est vraiment trop difficile quoi pour nous. Ouais, bah. C'est ouais. Impossible. C'est toi qui a dit qu'ils étaient deux. Ah, mais c'est impossible. Je pouvais pas faire autrement. Putain, mais tu vois, ouais. Vous nous butez en un coup alors que nous on met 6 coups à vous battre. Bah ouais, mais désolé. Non, bien sûr, c'est. Désolé. Après, nous on a des armes. Désolé d'être une espèce supérieure, hein. On a des armes pour des armes à distance au pire. Oh putain. Ah ouais? N'est-ce pas? Ah ouais? L'espace supérieur, tu viens? Bah viens, c'est les raptors. Vas-y, viens voir l'espace supérieur. Tu veux rire? Ouais, ok. Ok, t'es où? Ah, t'es là. Vas-y. Je vais au tel. Bouge pas. Viens là. Ouh, allez, bisous. What? C'est tout ce que t'as à faire? Bah, il te restait qu'un seul point de vie en fait. Ah, c'est pour ça. J'ai fait mon malin. Malin, le lynx. Oh non! Toi aussi, t'es tombé là-dedans. Ah non! Mange-le! Aïe! C'était moi. T'es juste mort. Mais en fait là, tu vois, quand tu attrapes un ennemi et que tu as cette tête, que tu vois, il y a une petite tête qui clignote en haut de l'écran. Ouais. Bah ça veut dire que tu l'as encore en bouche et c'est à dire qu'après tu peux le ramener au bébé et après tu le craches et il le mange. Ah bon. Je t'ai botté le cul. Bon, tu m'as juste tué. Bon, ouais, très bien. Voilà. Voilà ce que c'est que de voler des œufs de raptor. Voilà raptor, c'est bien connu. Le fameux adage. Alors là par contre ça va être un peu compliqué comme session parce que Adrien mange donc il est à bouche pleine. Ouais. Et Lola et moi on joue donc on est un peu concentré sur ce qui se passe. Ouais. Non mais il y a plus de. Attends, c'est la seule façon que je vous coupe pas la parole et que je prenne pas le monopole du micro, c'est que je mange ou que je vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Non. Non. Tu vous l'as pas fait. Voilà. Vous n'avez pas le monopole du micro. Voilà, je l'ai fait ça. Comme ça. Attends, j'ai parlé d'Altered Carbon. Oh non. C'est vrai. J'ai commencé Punisher. Ah, tu l'avais jamais regardé Punisher? Jamais. Putain, le premier épisode, c'est l'un des pires épisodes du monde. Ah ouais? Je me souviens plus. Attends, il finit sa pizza et... yeah. Peut-être est-ce que tu dors. Il avale ton steak. Ouais. Non, je pense pas. Non, j'ai pas dormi pendant Punisher. J'ai vraiment bien aimé cette série. C'est vrai? Oh bah, putain, deuxième personne qui me dit qu'il avait bien aimé. Bah en soi, moi je trouve que le traitement qu'ils font des vétérans, de la guerre aux États-Unis, ouais, est vachement stylé. Et même, tu vois, genre, t'en es où dans... J'ai regardé deux épisodes. D'accord. Donc, je vais te dire, le premier épisode, j'ai trouvé vraiment, vraiment affreux. Mm-hmm. J'ai regardé un deuxième épisode qui est ok. Je veux dire, mon pourcentage d'appréciation, il est pas très élevé là. Mais après, je trouve que il y a un côté en fait qui très urbain qu'il y avait dans le premier. Dans la première saison de Daredevil, qui moi m'avait énormément plu. Genre la côté... Daredevil est mortel. Bah justement t'as le côté genre c'est pas une histoire de super-héros, c'est une histoire de vigilanté, donc c'est un mec comme tout le monde. Bon ok il est aveugle, ok il a un sens radar, tout ça, mais c'est pas un mec qui lance des boules de feu ou qui peut sauter depuis l'espace. Ouais. Et je retrouve ce côté-là en fait dans Punisher, que j'avais pas retrouvé dans Luke Cage ou dans Defenders, qui au contraire était pour moi beaucoup trop super-héroïque. Aïe ça, ah non. On a 40, t'as gagné. Wouh! Et je find a countdown. Tout le temps, Adrien, tout le temps. Dès qu'on finit quelque chose, tu fasses ça. Ouais, c'est la fin de countdown. C'est vrai. Ouais, voilà, c'était Raptor, c'était cool, hein, c'était intéressant. Bébé Dino est content, il a bien mangé. Il a bien roté et tout. Ouais. Non, bah ça prouve encore une fois que c'est moi la meilleure dans cette équipe, quoi. Enfin... PG nul a perdu contre Lola, trop cool. Voilà, ouais, une fois de plus. Donc là, vous avez la hiérarchie. Il y a Lola, il y a Adrien et il y a PJ. Bon. Moi, j'ai perdu contre vous deux. Bah, c'est une égalité. Hein. Ah ouais. C'était 60-20-20. Ah. Oui, oui, non, dans le sondage. Moi, je parle au niveau des jeux auxquels on joue. Ah. Notre niveau de game respectif. Ah oui, non, c'est moi qui gagne tout.
Je demande d'avoir un Tetris, un Puyo Tetris entre vous deux. Ah bah écoute, c'est déjà fait. Moi quand vous voulez. Hein, merde, j'ai ma Switch mais j'ai pas mon la base. Ah non. Après j'ai que la version démo. Ce qui est bien c'est qu'en plus j'aurais pu continuer à parler et jouer et défoncer le. Trop peu parce que je me suis entraînée alors ça va. Et bah peut-être qu'on verra ça un jour. Oui. Peut-être. Dans un prochain épisode. Bisous. Bisous.